Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On va découvrir ensemble comment tuer ce boss. Quand tu débutes, c'est un peu chiant. Alors le but, c'est pas de te spoiler. Si t'as pas envie de le voir, tu regardes pas cette vidéo. Je te préviens de suite, c'est pour ça que j'ai pas démarré le combat maintenant. C'est au cas où si tu galères, si tu trouves pas la technique et que t'as pas envie de perdre du temps, je me suis dit, je vais faire un petit tuto pour aider les gens. C'est sans prétention. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider. On va découvrir ensemble le boss, c'est parti. Allez, on lance la quête. C'est parti, je vais essayer de me concentrer aussi parce que faut pas trop faire de la merde en même temps. Le boss va pop. Voilà, là il est pas content. Il est vraiment, il est sympa ce boss. Il est stylé. Allez, il veut que je m'incline devant lui. Hop, première chose, éviter son TP. Ça sert à rien de le DPS, regarde. Il prend pas de dégâts, ok. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est tu cours, tu tournes autour et tu vois, il y a des piliers là. Et tu essayes de prendre le buff. Voilà, tu prends le buff. Et une fois que tu as le buff, tu vas au centre et ça va activer une vague. Et tant que tu es dans cette vague, tu peux faire des dégâts. Et c'est là où faut DPS le boss. Mais un conseil, essaye d'esquiver quand même les attaques quand tu es dedans. Fais pas le fou. Parce que les potions ça va vite et le combat il est long. Alors tu vois, vaut mieux faire une phase de plus qu'être trop gourmand et mourir et tout recommencer. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on se casse. On cherche un nouveau pylône. Non, c'est pas là. Les adds, tu t'en fous, hein. C'est des chips. Hop! Là, on a le buff. Il nous fait une autre phase dans son pattern. Il nous envoie des petits tirs, des petits missiles. Hop, t'esquives les missiles tranquillement. Voilà. Et là, tu vois, tu esquives le saut. Et tu retournes au centre avec le buff. Et tu refais une phase de DPS. Voilà, tranquillement. Hop, tu fais pas trop le fou. Alors, un conseil, reste vers le milieu parce que sinon il t'éjecte du. Voilà, avec cette attaque-là, elle t'éjecte du cercle. Et ça serait dommage de perdre du DPS. Voilà, c'est parti. On esquive le saut. Ouais, je vais régénérer un peu là-bas. Voilà, là il va faire sa phase où il envoie des petits tirs. J'ai pris le buff. Tu as vu, il est a... quand t'as le truc à tes pieds, c'est que t'as pris le buff. Allez, c'est parti. Tranquillement, tu y vas sans pression. Sois pas trop gourmand. Voilà, mon attaque spéciale. Hop, t'esquives. On y retourne. Alors, il y a un défi qui consiste à le faire sans utiliser de potions. Si t'es motivé, ça peut être un bon défi. Hop, t'esquives. Hop, j'ai repris le buff. Là, il va nous faire sa phase où il essaye de me viser, mais vu qu'il vise comme ma grand-mère, tu esquives tranquillement. Après, il va se TP sur toi. Hop, et moi, je suis déjà vers le centre. Je perds pas de temps. C'est vraiment un petit tuto sans prétention, les gars. Je suis pas le meilleur joueur du monde, mais le but, c'est de t'aider, tout simplement. Là, je fais un peu le fou, je suis un peu trop gourmand. Et c'est pas une bonne idée. Alors, on va se calmer. On joue safe. On assure la victoire.
Là, il commence à s'énerver, à faire mal. Et voilà, allez, on y retourne. Il TP. Là, il va TP au centre. Voilà, on sait où il est le prochain buff. On l'attrape. On esquive. Et là, tu peux déjà commencer à aller vers le centre. Tu sais qu'il va TP sur toi. Et on y retourne. Allez, on le pète, parce que c'est comme ça que ça se passe, les amis. Voilà, tu viens de découvrir comment tuer ce boss. J'espère que je t'ai aidé, j'espère que je t'ai fait gagner du temps. Aucune prétention, comme je le dis, je suis pas joueur pro, je suis juste un joueur comme toi, papa. Moi, dans mon cas, je sais pas si t'es papa. Mais voilà, sans prétention, je te fais partager ce combat pour t'aider, pour que tu gagnes du temps. Je te dis à bientôt, ciao ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage. Abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.